Donc voici Swami Minunanda et voici Swami Tutunanda. Vous voyez, elles sont assidues à la pratique. Elles sont très 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 au rendez-vous. Dès que j'installe le tapis, hop, elles arrivent. Mais bon, pour faire les salutations au soleil, ça va nous gêner un peu. Allez, on va. Allez hop, on sort. Enfin plutôt on rentre. Allez, venez. Allez, allez. Allez, le chat. Tu vas là-bas. Allez, allez, le chat. Tu vas. Allez. Voilà. Bonjour à tout le monde. Namasté. Alors aujourd'hui, on va faire un échauffement, enfin plutôt les salutations au soleil qu'on appelle Surya Namaskar. C'est plutôt comme une méditation, d'accord? On a d'ailleurs un mantra associé à chaque posture. Et donc on a 12 postures dans ces salutations au soleil. Et cet exercice permet d'activer l'énergie. Donc quand on a un coup de fatigue, hop, on fait des salutations au soleil. Et ce soleil intérieur au niveau du plexus solaire va se distribuer partout dans le corps et réveiller le corps physique et le mental. D'accord ? En général, quand on pratique les salutations au soleil ou même le yoga en général, on se met face au soleil. Donc si vous pouvez le faire, hein, ce n'est pas une obligation, mais c'est pas bon. Aujourd'hui, on va faire comme en Inde, hein, comme on fait en Inde, c'est-à-dire 12 salutations au soleil, c'est-à-dire on en fait 3 cycles, non, pardon, 6 cycles. 3 cycles avec une pause et 3 cycles encore. Ça fait 6 cycles, d'accord? On fera lentement, on fera une petite pause bien sûr, et après on va accélérer le rythme. On va ajouter un mantra à un moment donné, je vais faire avec vous, donc c'est vrai que parler en même temps c'est pas évident, mais je vais essayer de vous guider avec le mantra. Ensuite, ça sera Suryaya Namaha. Suryaya Namaha. Que vous pouvez ensuite répéter mentalement. Et à la fin du cours, je vous indiquerai en sanskrit, je vous l'écrirai en message, ce mantra. D'accord? Une petite pause silencieuse où vous êtes sur votre tapis dans une posture assise, dos droit. Avant d'accueillir notre mantra de maître à disciple. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavidvishavahi Om Shanti Shanti Shanti. On va maintenant se mettre debout. On va se placer à l'avant du tapis. Donc au départ, je vous guide normalement. On ajoutera le mantra ensuite. Bon, si vous ne voyez pas trop ma tête, c'est pas trop grave. Hein. Voilà. Allez, on commence ensemble. Les jambes et les pieds serrés, vous inspirez. Expirez les mains jointes au milieu de la poitrine. Inspirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendez au plat, mains aux pieds, front au milieu. Inspire, lance la jambe droite derrière. Puis suspendez le souffle, la planche.
Expirez, posez les genoux, le front, la poitrine au sol, serrez bien les coudes. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien face en bas. Inspirez, lancez la jambe droite devant entre les pieds. Genou gauche au sol, tête levée, poitrine également. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, front au genou. Inspirez, déroulez le dos et montez les bras vers le haut. Buste légèrement vers l'arrière, regard vers le ciel. Expirez, ramenez les bras. Continue à gauche, inspire. Expire, main jointe. Inspire vers le ciel. Expire, main au pied. Alignez bien les doigts aux orteils, front au genou. Inspire, lance la jambe gauche, genou gauche au sol. Suspendez le souffle, la planche. Expire, pose les genoux, puis le front et la poitrine au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien face en bas. Inspire, lance la jambe gauche devant, genou droit au sol, poitrine, tête levée. Expire, ramène pied droit, front au genou. Inspire, déroule le dos et monte les bras. Vers l'arrière, expire, devant. Continue. Inspire. Expire, main jointe. Inspire. Expire, main au pied. Inspire, jambe droite derrière. Suspension, la planche. Expire, genou, front, poitrine, au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien, face en bas. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche, front, genou. Inspire, monte vers le ciel. Expire, devant. Inspire. Expire, main jointe. Inspire en haut. Expire, main au pied. Inspire, jambe gauche derrière. Suspension, la planche. Expire, genou, front et poitrine au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien face en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, amène pied droit. Front, genou. Inspire, déroule. Monte vers le ciel, vers l'arrière. Expire devant. Encore, inspire. Expire. Main jointe, inspire. Expire, main au pied. Inspire, jambe droite derrière. Suspension, la planche. Expire, genou, front et poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien face en bas. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire, déroule vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire vers le haut. Expire, main au pied. Inspire, jambe gauche derrière. Suspension, la planche. Expire, genou, front, poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien face en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire, monte. Expire. On prend une petite pause. Le cœur déjà s'accélère, la respiration. Reprenez votre souffle. On va continuer encore 3 cycles, on en a fait 3, on en refait 3. Donc là, je vais vous guider avec le mantra.
C'est-à-dire, je vais, quand vous allez inspirer, ça je vous le dirai, et après je commence à dire Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha, etc. D'accord? Vous suivez. À chaque fois que je vous dis Om Surya Namaha, il faut changer de posture. Vous connaissez, si vous avez un doute, vous regardez vers moi, voir où vous en êtes. D'accord? Allez, on essaie ça, ensemble. Pieds, jambes serrées à l'avant du tapis. Inspirez. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha, jambe droite. Om Suryaya Namaha. 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 À gauche, inspire. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Jambe gauche. Om Suryaya Namaha. 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 Encore inspire. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Jambe droite. Namaha. Om Suryaya 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 Namaha. Inspire. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Jambe gauche. Om Suryaya Namaha. 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 Il reste un cycle. Ce dernier cycle, vous allez le faire à votre rythme. Je le fais, mais vous vous faites. Vous vous répétez le mantra intérieurement. Si vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux. Allez, je vous laisse faire cette dernière fois. À droite et évidemment à gauche. Quand vous aurez fini, prenez le temps. Hein. Vous prendrez une petite pause dans la posture de la montagne, Tadasana, jambes écartées, largeur du bassin. Puis ensuite, mais prenez toujours le temps si vous n'avez pas fini. Vous allez vous allonger sur le dos dans la posture de détente Shavasana. Je vais vous guider pour détendre un peu votre corps.
Les jambes bien écartées, largeur du bassin, bras décollés du buste et paumes de main dirigées vers le haut. Laissez reposer la respiration, le cœur. Détendez tout votre corps. Relâchez bien les pieds, les jambes. Détendez le bassin. Relâchez le dos. Relâchez bien la tête. Détendez les doigts, les mains et les poignets. Relâchez l'ensemble de vos bras. Détendez vos épaules. Relâchez les mâchoires. Le nez. Détendez les yeux, le front, le cuir chevelu. Appréciez simplement ce moment qui vous appartient. Restons en silence. Maintenant, vous inspirez profondément. Laissez aller l'expire suivante comme un long soupir. Rassemblez les jambes. Les talons joints, les pieds flex. Montez vos bras en inspirant derrière la tête. Et tirez tout votre corps. Sur l'expiration, vous ramenez vos bras. Vous avez besoin d'ailler, soupirer, faites-le. Et puis une deuxième fois, pourquoi pas, hein. Étirez-vous encore. Les genoux ensuite viendront vers la poitrine. En roulant sur votre côté droit, vous venez vous asseoir. Ça fait du bien, non? Je pratique ça tous les matins. Et croyez-moi, j'y ajoute un pranayama, une respiration. Ça, on fera aussi un petit peu de respiration ensemble la semaine prochaine. Et croyez-moi, ça me maintient vraiment en forme. Le corps est souple et tonique. Ça fait vraiment du bien. On se sent en forme toute la journée. Donc je vous encourage à le faire. Et je tenais à le faire avec vous pour vous motiver. Seul. C'est peut-être moins facile pour certains ou certaines d'entre vous. C'est vrai que en vous guidant, peut-être que ça peut vous inciter à faire. J'espère que le mantra vous a plu. Et nous referons ces salutations au soleil sans doute la semaine prochaine. D'accord? Toujours le vendredi pour les échauffements. Eh bien, je vous remercie pour votre participation, votre motivation, en fait, voilà, c'est bien. Et je vous souhaite une excellente journée.
ensoleillé en plus. Donc c'est super. Allez, salut les yogis, namasté, gardez le sourire, à très très bientôt.